Donc, je me présente, Bourgoin Laurent, je suis président du club de maquette de l'AMYP72 qui se situe dans la région de la Sarthe à Yvré-de-Polin. Donc, vous êtes très très nombreux à me demander à chaque fois comment je colle toutes mes figurines, toutes mes photos des couples. Donc, comme le club est fermé depuis pratiquement un an, eh ben, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et puis vous expliquer pour l'instant comment je fais. Donc j'ai commandé ce petit carton chez École 21 avec toutes les colles à l'intérieur et un petit présentoir. Donc voilà, je viens de le recevoir. Donc on va présenter tout ça en même temps que vous. Je vais découvrir. Allez, c'est parti. Donc voilà. Alors. Une belle casquette, Col 21. Ça, un activateur qui est super. Le crayon Col 21. Voilà, super. Comme ça va aller plus vite. Voilà. Génial. Ah oui. Ah bah, il y en a, hein. Il y en a, il y en a. Donc voilà, super, super. Donc toutes les cales. Les cales, il m'en faut, je m'en sers, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les cales, c'est la base, les cales. Donc on va se mettre ça là. On va se monter le display. Parce que, à mon avis, ça, c'est très, très rapide à monter. Bon, eh ben, c'est un beau petit carton, ma foi. Voilà. La colle MIG, super, impeccable. Ça tombe bien, je n'avais plus. Petite coupelle. Voilà. On est pas mal. Alors ça va être simple, hein. C'est simple le montage, hein. Allez, on se met comme ça, on pousse tout ça, voilà. Donc, le display. Bon, voilà, le display est monté. Donc après, on a la colle blanche. Alors la colle blanche pour les décors, super. Voilà, c'est dilué un petit peu avec un petit peu d'eau, génial. Hein? Donc la cyano, normal. Voilà, impeccable. Voilà. On a la colle cyano noire qui est extra. Hein, si vous voulez voir où vous collez ou faire dans les jointures, dans les bas de caisse et tout ça pour les voitures, c'est le top. Voilà. La colle MIG, voilà, super. Nous avons un débordeur, un activateur aussi qui est le même chose que ça, mais sauf que là on l'applique au pinceau. Voilà. L'activateur en bond, qui est pour moi le meilleur pour coller tout ce qui est photo découpe et tout ça, ou les petites pièces qui tiennent pas, ou ça c'est le top. Voilà. Le primaire d'accroche, voilà, à passer au pinceau aussi. La glu MIG, ça c'est bien ça. En colle blanche, c'est le top. La poudre, moi j'appelle ça de la poudre le perlimpinpin. Je m'en sers pour tout. Je répare tout avec ça. J'ai réparé ma tondeuse, je répare les trous aussi en maquette. Je fais des trous, je mets de la colle. Je mets de la colle comme ça. Je mets de la poudre et après je ponce et ça me bouche tous mes trous. Donc génial. La colle liquide pour tout ce qui est photo découpe, ça c'est bien. Et le tout petit, voilà. Et après nous avons toutes les cales. Voilà, ça les cales, indispensable. Indispensable. Vous avez tous les grains en plus.
du plus gros au plus fin. Voilà, le blanc, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, là, et des petits cônes exprès pour aller justement au plus fin. Alors, soit en ferraille ou soit en plastique comme ça, avec des bons petits bouts en ferraille, comme ça. Voilà, la casquette, gâté, hein, gâté, gâté. J'ai bien fait de le commander. Je suis gâté. Voilà, c'est Noël, Noël après l'heure. Voilà, voilà. Donc, je vous ferai des petites vidéos. Comment je fais pour coller tout ça et mes figurines, la photo des coupes. Avec tout ça, je suis tranquille pour un bon moment. Allez, salut tout le monde. Hein, et puis, restez chez vous. Protégez-vous bien.